Première question pour Aurélien Chedjou de Nicolas Vandel de Garoua. C'est une, on va dire que c'est une question un peu baptême pour l'émission. Quel conseil donneriez-vous à Samuel Eto'o au regard des perpétuelles tensions entre le ministère des Sports et la FECAFOOT pour un développement? Il y a une coupure de faisceau à Yaoundé. Tu peux y aller. Non, mais on voit le travail qu'il est en train d'abattre, Samuel. Mais vous savez ce que c'est au Cameroun. Il y a un contexte camerounais qu'il faut prendre. Il faut dealer avec les politiciens. Donc, je pense qu'il faudrait qu'ils s'asseyent sur une table, comme je l'ai toujours dit, pour que le football avance. À la fin de la journée, il faut savoir que ce soit le ministère, que ce soit la Fédé, il faut un gagnant, c'est le football camerounais. Donc les deux doivent s'entendre pour pouvoir relever le football camerounais. Voilà le conseil que je peux lui donner. Est-ce que Samuel Eto'o doit quitter son poste de président de la FECAFOOT pour fuir les problèmes? Est-ce que Samuel Eto'o doit démissionner tout simplement de la FECAFOOT pour fuir les problèmes? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la FECAFOOT. On va également se projeter sur le match qu'on a en septembre, notamment contre la Namibie le 7 et contre le Zimbabwe le 10 septembre. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, tu sais, chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver. Si la chaîne s'est fait, on est parti. Allô les gars! Je voulais d'abord rebondir sur le propos de Aurélien Chedjou qui prône le dialogue entre les deux parties, entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. Certes, sur le papier, c'est très très beau. Hein. Pour moi, c'est vraiment une très bonne idée. Pour le bien du football, les deux parties doivent s'entendre. Mais, comme personne ne voudra mettre son ego de côté, je doute très très fort qu'il puisse avoir un dialogue bénéfique pour le football camerounais. J'ai vraiment un sérieux doute. J'ai un sérieux doute, puisque personne ne veut mettre son ego de côté. Même quand Samuel Eto'o est parti publiquement demander des excuses à Mabrice, c'était un peu des excuses pour biaiser un peu le truc. Sinon, sincèrement, ce n'était pas les vraies excuses. Au fond du cœur, ce n'était pas les vraies excuses. C'était un peu la politique, ça, c'était du pipeau. C'était de la poudre aux yeux. C'était de la poudre aux yeux. Donc, moi, je pense que les deux parties, ils ont des égos surdimensionnés. Le ministère des Sports est en train de se venger de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, on le sait très, très bien. C'est un garçon qui ne lâche rien. Il ne va rien lâcher. Il va aller jusqu'au bout. Et ça va donner ce que ça va donner. Moi, je pleure sur le football camerounais là-dessus. Mabrice, maintenant. Je vais donner mon avis par rapport à Mabrice. Mabrice, il a fait une sortie et tout. Ce qui m'a offusqué dans cette sortie, c'est que il s'en est pris à Rigobertson. Comment tu peux t'en prendre à Rigobertson? Rigobertson t'a fait quoi? Il traite Rigobertson de marionnette. C'est un terme fort, les gars. Marionnette. Donc, ce qui m'a vraiment gêné dans l'interview là, c'est qu'il s'en prend à Rigobertson. Rigobertson n'a rien demandé. Rigobertson n'a rien demandé. Et pour ceux qui disent que non, on doit limoger Mabrice. Mabrice ne peut pas être limogé, les gars. Mabrice est soutenu par des gens puissants de ce pays. Mabrice est soutenu par des gens puissants. Il ne peut pas être limogé. La FECAFOOT ne peut pas limoger Mabrice. Il est vraiment bien entouré. Il est vraiment bien encadré. Donc, c'est pour ça qu'il peut se permettre de faire sur des discours. Sinon, dans l'ensemble, c'est un discours qui se fait en interne. Si tu as un truc avec ton président, ça se fait en interne. Ça se fait en interne. Mais comme il y a une guerre ouverte, chacun tire sur l'autre publiquement. Et là, je m'interroge sur le timing. Pourquoi faire une telle interview, sachant que tu as deux matchs très importants contre la Namibie et le Zimbabwe en septembre? Le timing. Pourquoi faire une telle sortie, sachant que tu as deux matchs très importants en septembre? On peut s'interroger. On peut s'interroger. Connaissant Samuel Eto'o, il ne va rien lâcher. C'est un garçon qui ne lâche rien, rien du tout. Donc, en septembre, il y aura encore la guerre entre les deux parties. Après, qu'est-ce que moi je conseille à Samuel Eto'o? Moi, je conseille à Samuel Eto'o de démissionner. Moi, je conseille à Samuel Eto'o de démissionner, même comme je sais qu'il ne le fera pas, puisque c'est un garçon qui ne lâche rien. Il a un égo surdimensionné. C'est un garçon qui part généralement jusqu'au bout de la guerre. Il ne va rien lâcher. Après, on a deux matchs importants en septembre contre la Namibie le 7 et contre le Zimbabwe le 10. À mon avis, on va se qualifier pour la CAN, puisque dans la poule,
on est quand même dans une poule relativement abordable. Lorsque tu as la Namibie, le Zimbabwe et le Kenya, pour moi c'est très prenable, surtout qu'on prend les deux premiers. On prend les deux premiers. Il faudra vraiment une catastrophe industrielle pour ne pas voir le Cameroun lors de la prochaine CAN au Maroc. Sinon, c'est une poule largement à notre portée. Largement à notre portée, les amis. Partagez votre ressenti en commentaire par rapport à la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.